On essaie de trotter un petit peu. Allez. Allez, c'est toi qui mets la jambe, gentiment. Allez. Au trot. Un petit peu de jambe. Serre tes jambes. Faut que je serre. Voilà. Et après tu desserres. Oh, hop, putain, hop. Et ça. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hein? Alors ce qu'il faut, quand il commence à s'énerver comme ça, il ne faut pas que tu te contractes dans la jambe. Ouais, c'est parce qu'à ce moment-là, tu mets l'accélérateur. Ben oui, je sais. Tout à l'heure, quand vous m'avez expliqué, j'ai bien compris que c'était compliqué. Là, il a peur, il panique. Et toi, tu lui mets l'accélérateur en plus, tu vois. Hein? Oui, il ne sait plus où il est. Ouais. Oh, bah tu fais même du galop, ouais. C'est au galop. Pas mal, hein. Oh, oh. C'est beau, ça. Ah, magnifique. Oh, c'est beau. Doucement. Oh, oh. Tape pas. Voilà, remets-toi doucement. Tout doucement. Voilà, super. Caresse-le. Super. Arrête-toi. Là, ça... ça... Tranquille. Tu viens vers moi. Essaie de t'arrêter. Il faut faire attention que tu tires sur les deux rênes égales. Hein, si tu tires plus sur la droite ou la gauche, le cheval il va venir à droite ou à gauche. Voilà. Voilà, très bien. Et tu viens au pas, passer la petite barre que je t'ai mis au sol. Ma première haie. Voilà, barre. Nous on dit une barre. Barre. Saute là. Pourquoi il est vite? Bah parce que tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Voilà. Allez, saute. Et hop. Oh oh. Oh oh, magnifique. Bien. Voilà, tiens-le à droite, tiens-le à droite. Allez, saute. Et hop là. Super, caresse-le. Magnifique, bravo. Non, oh oh. Oh oh, calme. Je te l'ai remonté un petit peu, demi-tour, reviens. Hein? Je te l'ai remonté un petit peu, elle est à 10 cm. Là. Ouais, allez, ouais. Retourne. Défie-toi, ça va dépoter. Hein. Allez, saute. Et hop. Ouais. Doucement, très bien. Très bien ça. Oh. Très bien, c'est bien ça. C'est bien ça mon pote. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Patrice, je crois que c'était assez haut. Ah là, c'est énorme. C'est parce énorme. Là, c'est un obstacle incroyable que tu viens de passer. Merci copain. Et voilà. Extra. Et je suis bien mieux en bas. Mine de rien. J'ai le trac un peu quand même. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est quand même très difficile. Hein. Ah ben merci. Et donc, tu as commencé quand? Ah, moi, tu sais, j'ai commencé, voilà, j'ai commencé tout petit. Je suis né dans les écuries. Donc, ah oui, d'accord. Hein, ouais. J'ai commencé tout petit. À 10 ans, je faisais mes premières compétitions. Donc, ah ouais. C'est normal que ça me semble facile aujourd'hui. Non, c'est sûr, non, mais c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est génial, c'est que vous, c'est une vie quoi. Toute une vie, ouais, c'est une passion. Voilà. Plus c'est que la compète peut durer longtemps. Tout à fait, jusqu'à. Moi j'ai 47 ans, je pense être encore au top niveau pendant les. Entre 5 et 10 ans. Ouais. C'est tout, si le physique suit bien, voilà. Donc, il suffit de s'entretenir et puis voilà. Rester. Et c'est là où on a beaucoup d'expérience, la meilleure expérience. Ouais. C'est chouette, hein, c'est beau. Hein. Et donc, pour toi, les prochaines compètes, les JO? Oui, donc je suis pour l'instant présélectionné olympique et j'espère bien participer. La sélection se passe quand? Comment ça se passe? Écoute, la sélection commence à se faire un petit peu maintenant. Bon, je suis présélectionné, mais on commence à bien préparer nos chevaux pour... C'était les deux chevaux qu'on a vus tout à l'heure? Oui, voilà, tout à fait. Et les deux chevaux, pour l'instant, sont en pleine forme, d'accord. Donc tout va bien. Mais les choses sérieuses vont commencer d'ici un mois. Là. Ok, ok. Ben, plein de bonnes choses et puis j'espère qu'on se reverra à Londres. Mais hein? Bien sûr, pas de problème. Et je pense que pour toi, ce qui serait bien de commencer, c'est je te présente Cacahuète. Et je pense qu'il vaut mieux que tu commences avec Cacahuète. Hein, je pense que ce sera plus prudent. Ce sera plus facile pour toi. Allez! Allez Cacahuète, allez! Allez Cacahuète, allez! Allez!